le seul point qui a fait rupture, c'est le GCO. C'est sa mise en œuvre, parce que ce point était connu depuis le début du mandat comme un point de divergence. Mais c'est sa mise en œuvre et les conditions de sa mise en œuvre qui ont amené à ce que les Verts se retirent des responsabilités de l'exécutif sans quitter la majorité. Vous vous sentez personnellement mis en cause à travers cette décision ? Non, pas du tout. Je veux dire, on a chacun nos convictions. Eux, ils ont la conviction que ce GCO n'est pas utile. Moi, j'ai la conviction que pour le développement du territoire, il est indispensable, y compris pour la mise en œuvre des mobilités collectives et des mobilités douces. Et que nous voulons être à la croisée des chemins au cœur de l'Europe et non pas dans le quart est de la France. Et par conséquent, si on veut être au cœur de l'Europe, il faut pouvoir assumer un certain nombre de responsabilités et débloquer la situation dans laquelle nous sommes par rapport à la 35 qui continue à être saturée régulièrement à moins de 500 mètres de la cathédrale. Et donc ce contournement me paraît aujourd'hui est de plus en plus indispensable pour traiter des pollutions, pour traiter des populations, pour traiter de l'aménagement du territoire et mettre en œuvre d'autres modalités de transport. Je comprends qu'il puisse y avoir des réactions d'hostilité. Moi, je respecte, je veux dire, qu'il puisse y avoir des opinions différentes. C'est la manière dont elles s'expriment. Je veux dire, il y a 30 ans de débat. Secondement, je veux dire, ça fait l'objet de recours. Deux fois, l'utilité publique a été confirmée. Il y a après des postures, je veux dire, qui ont été prises. Et puis il y a ensuite, je veux dire, ce que déversent quotidiennement les réseaux sociaux, je préfère ne pas l'évoquer. Parce que ça ne participe pas du débat démocratique et ça ne participe pas de l'intelligence, en tout cas pour un certain nombre de messages. Et donc, je veux dire, j'essaye de voir comment est-ce que nous pouvons continuer à travailler ensemble à cette transition énergétique. Je veux dire que nous avons la même lecture du rapport du GIEC et nous avons la même lecture, je veux dire, de la nécessaire protection de la planète. Après, c'est la manière d'y arriver. Et ça n'est pas en bloquant un territoire, me semble-t-il, pour ce qui me concerne, qu'on aboutit à cet objectif-là. Voilà, ce point de divergence étant donné, je suis heureux que cela se passe dans des conditions raisonnables, j'ai envie de dire, de respect mutuel, d'attention réciproque, et de l'envie de pouvoir continuer à travailler ensemble sur toute une série de sujets. Ce n'est pas une remise en cause globale, ni de la présidence de la métropole, de la coalition et du travail qui a été fait. C'est une remise en cause de la participation qui a été la mienne à convaincre les autorités qu'il fallait faire ce contournement ouest. Je veux dire, les Verts, aujourd'hui, ne sont pas en situation de majorité sur ce contournement. J'entends évidemment les manifestants, j'entends évidemment tout ce qui se dit. Je regarde aussi le niveau des compensations et je regarde le travail qui a été fait. J'y ai pris ma part également à faire en sorte que, ça ne soit pas exclusivement, une route qui soit créée, mais que les conditions de son environnement soient également respectées. Les Verts continueront à être pleinement associés à l'ensemble des travaux. Il n'est pas question, en tout cas, qu'il y ait une quelconque mesure de rétorsion à leur égard. Ce n'est pas l'esprit dans lequel nous sommes partis.